créé le setup. Let's go, les gars. Il a enculé le bureau. Yo tout le monde, c'est Maki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va retourner sur Caldera. À la fin de la vidéo, vous aurez mon avis sur la map. C'est ce que moi j'en pense. Mais vous allez surtout comprendre pourquoi est-ce que je fais plus de vidéos dessus. Je suis retourné sur Caldera, ce que vous allez voir quand même maintenant, c'est un excellent gameplay. Je ne vous dis pas combien de kills, mais ça dépasse les 20. Donc c'est quand même vraiment pas mal pour Caldera. Et puis voilà, je souhaite un excellent visionnage. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner. Objectif 70 000 abonnés avant la fin du mois. L'objectif également des 2000 likes. Si tu veux me soutenir mon frérot, mets un gros pouce bleu, ça fait booster le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Et si tu veux me soutenir encore plus, tu peux mettre Caldera dans l'espace commentaire et aussi me donner ton avis par rapport à ce que je dirai à la fin de la vidéo. On reparlera en fin de vidéo bien évidemment. Mais voilà, je dis pas si j'ai fait top 1 ou pas. Surprise, d'habitude je vous spoil. Là je vais pas vous spoil parce que c'est moins cool pour vous tout simplement. Et puis le gameplay tiré du live Twitch, donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. Attends, je te souhaite un excellent visionnage. Oh, je vais être late. On est en shotgun. Ah oui, nouvelle gun. Ah oui, monsieur. Il en avait une aussi. T'as pas d'excuse. Et le type est exécrable. Non, on abuse pas non plus. On a 8000. C'est barré. Oh, comment ça, monsieur l'arbitre? Comment ça, monsieur l'arbitre? T'as tiré sur mon ombre, idiot! Je l'ai bait avec mon ombre. Putain, je savais même pas que c'était possible. Incroyable. Ok, on est bien, on est bien. Nickel! On a gagné le spawn pick! Putain, merde, comment il a fait pour rater à ce point? Ah, il a pas dû kiffer la mire. Il a pas dit kiffer la mire de la White Lay. Elle est atroce la mire, mon frérot. Même moi j'aurais louché pareil, t'inquiète, on est ensemble. Oh, attends, en voiture. Allez frérot. Le gars il joue pas, on va en profiter hein. Voilà. Et l'autre il est au snipe au loin, il arrive à me rater depuis tout à l'heure. C'est une blague. Voilà ouais, fais pas le malin ouais. Ok, j'espère qu'il a assez le gars de la voiture. Oh, il a pas un rond hein. Dis-moi que t'as des sous, toi. Ça sent le mec qui revient du goulag avec 100 pétards. Je vais hurler s'il a que 100 pétards. Putain, 200 pétards. Wow. Incroyable. Oh, c'est incroyable, c'est ce start, les gars. Parlons-en. Merde. Non. Ouais, on a assez pour le loadout. Oh, le start de fou furieux. Quoi? C'est quoi ce tour? Il est mort dans une position bien étrange, ce monsieur. Tiens, 41. Il me faisait un dab, le gars, avant de mourir. Oh, le frérot, il a massacré le setup. Let's go, les gars. Il a enculé le bureau. Oh putain, je suis mort. C'était quoi ça? Oh la rage. Le mec, il a dû en avoir plein le cul du véhicule blindé là qui lui cassait les couilles. Et je me suis ajouté à cela. Non, je suis derrière. Oh, décidément, Tomaki. Ah, écoute, hein, gros problème, les gros moyens. Je suis un peu de sérieux. C'est pas lui ma prime. Incroyable. Eh, il s'en va. Ah, viens là, mon loup, là. Ah, j'ai un poil dans le nez. Notez les coordonnées de ce repère.
Vite, un drone. On met des bonnes balles ici, les gars. Mais putain, mais il y a du peuple de fou, là. Ah merde, il a arrêté sa course. Oh putain, j'ai le blindé au cul. Monsieur le blindé, je vous en conjure, faites demi-tour. Y'a rien à voir par ici, monsieur le blindé. Viens me chercher, lui. Oh non, putain, il vient me chercher. Bah, écoute, le blindé va me péter les couilles, donc on monte. Oh la honte. Au revoir. Mais quoi? Mais je refuse. Mais attends, il y a eu un truc sur le C4 là. Qu'est-ce qui s'est passé avec le C4 là? Il y a eu un nerf? Il y a eu un truc. Il y a eu un truc, c'est impossible. Je vais pas le tuer. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc sur le C4 les gars. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Personne sait? Moi je vais arrêter de jouer le C4 les gars. Et deux fois aujourd'hui qui m'arrive des dingueries là. Non, le C4 en plein sur le véhicule sur lequel j'ai déjà tiré, ça va même pas, ça fait des véhicules neutralisés. Allez c'est bon. Ah, écoute. Ah ouais, pas aussi vite. Je suis nul mais je vais quand même le tuer. Vas-y où? Héros. J'ai perdu un kill là, je suis frustré. Ma nullité m'a fait perdre un frag. C'est le moment un peu chiant où on voit personne là. Je vais aller à côté du ballon hein. Toujours un peu de monde autour des ballons. Je parle pas d'une grosse paire de couilles. Allez, let's go celle-là. Putain, ça rigole énorme. J'adore les. Bien grâce, c'est les bonnes blagues ça. On va aller chercher des vraies infos mon gars. On va aller chercher des vraies infos. Il reste plus que 11 joueurs. J'ai acheté à 30 kills vraiment, fallait trouver tout le monde, mais là les gens ils se tuent. Et moi je vois personne. Putain, il y a plus que 9 là. Continue de courir sans voir personne moi. C'est un safari mon gars. Ouais bah drone ennemi, j'ai pas le temps moi. Ouais bah plus tard. Il fallait me tirer dessus avant bonhomme. Il fallait me tirer dessus avant bonhomme. Là je suis parti. Vous êtes pourchassé par une. Veillez vos arrières. Et c'est fini. C'est fini pour toi mon garçon. Un de jeu. Nice. On a des sous pour un drone. Hop hop. Tac tac. Boum. Uncharted mon gars. Ouais ouais ouais. Ça part. Connaissance de la zone imminente. Hein. Le drone commence. Non. Alerte Max, c'est pas déclenché. Je pensais qu'il ne voyait pas. Dommage. Allez, le goulag. C'est l'heure. Tu ne te vengeras point. Let's go. Ok. Oh, il y a encore mon drone qui tourne. Donc là, il y en a un ici. Merde, on n'a pas pu avoir l'info si il était allé sur mon stuff ou pas. Je vais attendre le loadout, les gars. On va pas grid. Nine bonne game. On va essayer d'aller concrétiser. Ok, dis-moi qui va camper dans la maison et qui s'en branle complet du largage. Ce serait génial. Merde, mauvais largage. On appelle ça une punition hein, là d'où je viens. Il fait chier lui. Seulement tu m'avais pas tiré dessus mon gars. C'était free push ça. Ok nice, on a récupéré des packs. Pas vu. Nice. On a bien géré, je suis fier de moi. Ok, il reste 4 joueurs. Ok, il y a le mec en face de moi qui est en train de push dans le bâtiment à droite. On va aller de choc à l'arrière directement. Il y a personne, donc il est dedans. Je sais pas si c'est ce bâtiment-là ou pas. My man, t'es mort. Ok, let's go. C'est peut-être lui avec le sniper qui était chiant là. Ouais, c'était lui. Let's go. Ok, plus que 3 joueurs restants, les gars. Pour le top 1. Et la 25 kills validés. Peut-être 27. Vraiment une très très bonne game de Caldera, ce qu'on est en train de proposer ici. Give me the information, bro. On n'a pas d'autoré, hein. Donc là, on n'aura pas le droit à l'erreur. Ça se fait très discret, hein. Ça se fait extrêmement discret, hein, du côté des adversaires. Ça va de regarder un peu sur les collines, tout ça, de ça. Mais. Uchi, mon gars. Ah, hélico de ravitaillement au 6ème cercle. C'est malin, ça. Ça, c'est malin de ouf, ça. Tiens à dire que tous les hélicos, ils vont se mettre dans un tout petit cercle là. Mais. C'est sérieux ça? Mais les gars, ils vont se rentrer dedans là, les hélicos là! C'est quoi ce foutoir? Hélico de ravitaillement au 6ème cercle, mais attends, mais c'est n'importe quoi ça! Qu'est-ce qui se passe le jeu vidéo que ça? Mais voilà, ils se sont rentrés dedans! Mais. Mais regardez! Mais c'est quoi ce jeu? Mais lui va exploser aussi?
Oh là là, mais c'est quoi ce carnage là? Et frérot là, stop! On a toujours pas d'infos hein, sur nos joueurs. Ça se cache promptement. Ça veut le top 1. C'est fin de game de Caldera, c'est toujours assez long. On va reprendre la hauteur par la droite, hein, je pense. Sûrement dans la maisonnette bleue devant WAM là, en vrai. En vrai de vrai, on reprend la hauteur par la droite, machin. Voilà, histoire qu'on soit bien haut par rapport aux deux autres. Ils sont toujours pas tirés dessus. Maisonnette bleue, ça m'étonnerait pas. Quand même pas mal fréquenté cette maison là. Après, celle-ci, il y a la porte qui est entrouverte. J'ai vu. Ah, c'est tellement dommage! Quel game de ouf! Ah là 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 là! Il a 12 frags quand même, hein, ce campeur. Hein. Il était dans sa petite maison, à l'aise. Eh les gars, 25 essais, déjà une énorme game. Malheureusement, on la gagnera pas celle-ci. Ça s'est pas bien terminé. Tomber sur un campeur dans une maison. Est-ce qu'il va réussir à aller concrétiser ce top 1 au moins? Et c'est pour ça que Caldera ne plaît pas. Hein. Ah, il l'a gagné. Il a gagné, bien joué lui. C'est pour ça que Caldera ne plaît pas. C'est vraiment une map de gros campeurs, mec. Il y a vraiment beaucoup de camps. La fin de game, il y a eu peut-être quasiment un cercle et demi, voire deux cercles. Où est-ce que bah personne se tirait dessus parce qu'au final, les gens ils attendaient dans les maisons, tu vois. Et c'est pour ça que Caldera ça ne plaît pas, tu vois. C'est lent, c'est mou, c'est long. Les hélicos ils viennent au sixième cercle. Ça te baise un petit peu le son. C'est pas ouf, voilà. C'est pas ouf. La map est pas folle en elle-même. Même parce qu'il y a trop d'étendue ou est-ce que on attend pendant trop longtemps, il se passe rien et tout. Et donc du coup, bah mon débrief, tu vois, sur ce retour sur Caldera un mois après ne pas l'avoir joué, on a fait une excellente game, mais on a fait une excellente game maintenant. Là, les gens sur la chaîne YouTube, ils savent pas que ça fait 2h30 qu'on est en live sur Caldera, tu vois, et qu'on est en train de douiller pour essayer de produire des bons gameplays parce qu'on n'arrête pas de se faire tuer par des campeurs. On n'a pas réussi à faire un seul top 1 en 2h30. C'est pas un secret, tu vois, si on n'a pas réussi à faire top 1. On sait que le jeu, il est fait pour que tout le monde ait sa chance de gagner. La RNG elle est énorme, les campeurs sont énormément avantagés, et si on n'a pas fait top 1, c'est pas parce qu'on est nul, c'est pas parce que les mecs en face ils ont été meilleurs, c'est parce que Caldera est faite pour que ce soit pile ou face sur la victoire. Toujours un mec qui va tirer dans le dos, un mec qui a un flanc, un mec qui est dans un bâtiment, t'as beau te déplacer de la meilleure des manières possibles, avoir le meilleur des shoots possibles, et bah y a toujours un mec qui pourra t'avoir juste parce que bah je sais pas, il était dans une maison, il était dans un buisson et tu t'es déplacé alors que lui il attendait viseur fixe, et c'est pour ça que la map fait pas l'unanimité et ça va être comme ça jusqu'à l'arrivée de Warzone 2. En fait là c'est trop bien parce qu'ils ont mis les ballons, donc il y a du nerf, ça redonne un petit peu de dynamisme à la map. Ils ont en plus de ça mis les drones dans le shop qu'il n'y avait pas en Vanguard Royale. Tout est fait pour que la map soit dynamisée plus qu'elle ne l'est actuellement, mais le problème c'est pas le dynamisme. On pouvait penser que c'était le dynamisme parce qu'on se faisait vachement chier sur Caldera depuis la sortie, mais là avec le dynamisme qui a été boosté, on se rend compte que le vrai problème c'est simplement la map qui est trop grande, qui est trop faite pour camper, qui a trop de détails. Remettez-nous un truc à la Verdansk, tu vois, des bâtiments, machin, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 covers comme il y a là, des buissons partout et tout. La map est très belle, c'est ce qu'on dit depuis le début, mais la map est un enfer pour jouer, et même un mois plus tard, sans avoir joué, en revenant, et ben mon avis n'a pas changé. Mon avis est toujours le même. La map, elle a été améliorée, mais elle est toujours pas plaisante, tu vois. Et en plus, dans les 2h30 de live, on s'est mangé un cheater, alors qu'en résurgence, j'en mange aucun. Donc pour ceux qui me demandent de faire des vidéos sur Caldera, je comprends, hein, je comprends. Il y en a qui veulent du résu, il y en a qui veulent du Caldera. L'unanimité n'ira jamais à la résurgence. Mais comprenez que pour un créateur de contenu comme moi, et pour la plupart des gens qui me regardent encore sur Twitch et YouTube, plus personne ne joue sur Caldera parce que la map est frustrante et que vous ne pouvez pas gagner parce que vous avez été meilleur que votre adversaire, mais juste parce que vous avez eu de la chance, tu vois. Vous avez perdu parce que vous n'avez pas eu de chance. Et c'est comme ça à 80% du temps, tu vois. À cause de la map. Le problème, c'est la map. C'est pas les joueurs. Les joueurs, ils campent parce qu'on leur met tout dans les mains pour camper. Si c'était Verdansk, les mecs, ils se foutent dans les battes, ils se mettent dans les étages et tout. Y a toujours moyen de les baiser, tu vois, parce que on peut bien jouer. Là, un mec qui se met dans une toute petite case, tu peux jamais savoir s'il est dans la case, machin et tout. Il y a trop de décors, il y a trop de trucs à prendre en compte. Verdansk, t'es dans un bâtiment. Le mec, tu sais qu'il est dans le bâtiment, qu'il est en train de camper à l'étage. On peut pas te baiser de 36 000 façons. Il y aura un seul moyen de l'avoir, ce sera de le prendre soit par dans le dos, soit par un duel en face à face, mais tu sais l'angle qu'il va avoir parce que tu connais les bâtiments. Caldera, il y a tellement d'open field qu'on peut t'avoir de partout, et donc du coup, tu peux pas réduire les chances suffisamment élevées. On peut pas suffisamment réduire les chances de se faire avoir de n'importe où parce qu'on peut te voir de partout. Et c'est ça le souci de Caldera. C'est le fait que tout soit basé sur de la chance. Et du coup, ça crée énormément de frustration. On peut baisser un petit peu cette RNG avec de bons déplacements, mais elle sera toujours trop forte par rapport à la possibilité de gagner de manière assurée, même pour les excellents joueurs. C'est le problème de Caldera, principalement aujourd'hui, la map. La dynamiser comme on veut, le problème, c'est la map. Bref, voilà, c'est mon débrief, les gars, sur Caldera. Un mois après l'avoir laissé tomber
tomber, et bah on va la laisser tomber. Et puis on va retourner en résu, les gars. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire, bien évidemment. Je comprends qu'il y en a qui kiffent la Caldera, les gars. Je dis pas que Caldera c'est de la merde, c'est la pire map machin ever. Enfin si, des fois je le dis, mais c'est sur le coup de la colère. La vérité c'est que la map elle est pas faite pour moi. Voilà. C'est une map de Battle Royale classique. C'est une map en mode PUBG, en mode tu campes, t'attends que le cercle pousse, il se passe rien. Voilà, tu fais des games top 1, 3 kills. Voilà, c'est ça. Caldera, c'est ça. C'est voilà, on est là pour ça et c'est. Je suis pas client de ça. Moi, je suis client de Verdance, client de Résurgence. Je veux du sang, mon gars. Je veux que ça coule. Et du coup, c'est pour ça que je referai pas des vidéos, je pense, sur Caldera de sitôt. Mais voilà, c'est pas nul. C'est pas ce qui m'intéresse. Voilà. J'espère que votre avis, mon avis vous aura plu ou déplu. N'hésitez pas à donner le vôtre dans l'espace commentaire. Si vous avez kiffé la vidéo, vous pouvez vous abonner, les gars. Vous pouvez mettre un petit like, comme d'habitude. Objectif 70 000 abonnés. Objectif 2000 likes. Et puis, rejoignez-nous sur Twitch. Le lien est dans la description. On vous attend, les gars. Voilà, tous les jours en live. Donc, ce sera dommage de rater ça. Maintenant, je souhaite une excellente journée, soirée ou tout ce que vous voulez. Et on se donne rendez-vous sur Twitch, YouTube ou ailleurs. Ciao tout le monde. Fight out, Dusto!